Salut à tous! Salut! Vous l'attendiez, elle est là, notre critique à chaud, notre critique 100% sans spoiler du Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Comme vous le savez, la nouvelle trilogie fonctionne en miroir avec celle de George Lucas, qui a d'ailleurs été créée il y a 40 ans pile, hein, c'était en 1977. Et donc, si on suit cette logique, ce serait un peu le pendant de l'Empire Contre-Attaque. Oui, c'était d'ailleurs le grand débat qu'il y avait eu avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams, où on l'avait accusé d'avoir fait un copier-coller en tout point de Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, le tout premier de la saga, et qu'il avait fait un peu un film fanservice où il y avait plein de nostalgie, etc. Oui, ici c'est Rian Johnson qui reprend le flambeau. C'est une émancipation sombre et risquée, mais vraiment on a adoré. Et je pense que ce qui a joué clairement, c'est qu'on est à la première séance du matin à 10h et c'était une ambiance de folie comme pour tous les Star Wars. Ça hurlait, ça applaudissait, il y avait des gens déguisés. C'est aussi pour ça qu'on aime l'univers Star Wars, c'est la folie qu'il y a autour. Alors comme vous le savez, on aime bien commencer par un petit point réel parce que ça resitue un peu l'univers du film, etc. Et là, Rian Johnson, il fallait en parler parce que c'était un pari audacieux. On l'a dit, bah, tu l'as dit, avoir choisi Rian Johnson pour tourner le Star Wars 8, c'était quand même compliqué au départ. Et les fans hardcore, la fanbase vraiment très attachée à l'univers Star Wars, s'est dit, est-ce que cet homme qui a quand même très peu d'expérience, c'est pas un monstre d'Hollywood comme J.J. Abrams? J.J. Abrams, il avait par exemple fait renaître Star Trek au cinéma. Là, il avait quand même pas trop de background. Est-ce qu'il avait les épaules pour faire un bon Star Wars? Et je pense que ça confirmé. Son tout premier film, Brick, il l'a fait avec un mini budget, je crois que c'est 500 000 $, ce qui représente rien à Hollywood. Il s'est attaché les services de Joseph Gordon-Levitt, ils ont un peu une relation spéciale les deux, et il a créé avec très peu de moyens un film à suspense, un film noir incroyable. Je vous invite vraiment à le voir. Oui, il avait aussi réalisé Looper, qui est là avec un petit peu plus de budget. C'était aussi un film de SF, il était ultra audacieux, il avait été vraiment acclamé par la critique, donc c'était assez prometteur. C'était avec Gordon-Levitt d'ailleurs à l'époque et Bruce Willis. Ouais, il arrive à distiller un univers un peu spécial dans des carcans très carrés, et c'est pour ça aussi que c'était intéressant avec Star Wars. Et pour les fans de série, il est connu parce que c'est un réal, pas beaucoup d'épisodes, mais des épisodes marquants, de 3 épisodes de Breaking Bad, notamment un qui est l'antépénultième de la série, antépénultième avant-dernier, qui s'appelle Seul au monde en français et Ozymandias en anglais. Ouais, et c'est d'ailleurs un épisode qui a été consacré comme étant l'un des meilleurs de la série Breaking Bad et aussi comme l'un des meilleurs des séries toutes confondues. Tadam. Juste pour resituer, pour ceux qui seraient perdus, c'est le fameux face à face entre Hank et Walter White dans le désert, tout le monde s'en souvient. Pour en revenir à Star Wars, le pari a été plutôt ultra réussi de la part de Rian Johnson, qui a d'ailleurs été adoubé par le grand George Lucas, qui a dit que le film avait été joliment fait dans une interview. Chapeau. D'ailleurs, au passage, il n'avait strictement rien dit sur le réveil de la Force, donc pas de QGG. D'ailleurs, ce qui a peut-être plu à George Lucas, c'est que Rian Johnson a écrit et réalisé l'opus lui-même, voilà. Ce qui est quand même seul, un bon défi. Ouais, tout seul. C'est quand même rare d'avoir un auteur seul dans la machine Star Wars. Clairement, surtout qu'en plus, ça n'est pas prêt de s'arrêter, puisque au départ, on était un peu stressé en disant « Mais qui c'est ce mec? Il va tout faire et tout. » Et là, quand Disney a annoncé que Rian Johnson allait... Puisque quand Disney l'a annoncé début novembre que une nouvelle trilogie allait être développée et que c'est Rian Johnson qui allait être aux manettes, s'est dit oula, oula, ils vont trop vite. Enfin, c'est déjà qu'on a peur qu'il ait pas de charisme pour un Star Wars. Mais là, développer toute une trilogie, ça me semble hyper ambitieux. Et ben, le fait est que maintenant on est content parce qu'il y a un vrai talent d'écriture et donc il va concevoir cette nouvelle trilogie qui n'aura rien à voir avec l'arc narratif de la famille Skywalker. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, réaction à chaud, critique à chaud, sans spoiler, donc on marche un peu sur des œufs. Il faut faire attention, on va essayer de pas dire de conneries, et c'est compliqué de dire si on a aimé ou pas aimé sans révéler 2-3 intrigues. Du coup, on s'est pas fait chier, on l'a joué très carré, on a fait un peu comme d'habitude, une analyse du scénar dans un premier temps, des persos, et ensuite on analysera le visuel parce que c'est un film. Bon. Alors dans ce nouvel opus, on a vraiment de multiples clins d'œil au film de George Lucas. Rian Johnson a une vraie vénération pour son prédécesseur. En revanche, il a surtout une certaine audace. Il a vraiment pris des risques dans ce film. Ça a d'ailleurs été salué par la critique et objectivement, ça fait du bien. Ce qu'on pouvait reprocher à J.J. Abrams et au Réveil de la Force, c'était justement de suivre un petit peu trop, de faire un petit peu trop un copier-coller des films de George Lucas. Un brin trop nostalgique et un peu trop rétro. Ici, c'est un vrai film de 2017 en fait. Finalement, c'est un film moderne, un vrai Star Wars moderne. Ce qui est important à dire, je pense, dans cette critique, et c'est un peu mon leitmotiv depuis que je l'ai vu, c'est le côté équilibre. C'est le thème du film, mais c'est aussi le thème dans la réal. Je trouve qu'il a su doser parfaitement tout ce qui fait un bon Star Wars, c'est-à-dire un cocktail d'action, forcément, c'est la guerre, etc., la résistance contre le premier ordre, d'émotion, il y a des surprises, il y a des scènes qui nous touchent, il y a des scènes qui nous révoltent, enfin, il y a de tout. Et surtout, la petite touche un peu Rian Johnson, où là, c'est très très bien maîtrisé, c'est la dose d'humour. Il y a des vannes partout qui tombent, justement, dans des moments où c'est un peu pesant, où c'est trop sérieux. Il dédramatise toute la situation d'un coup. Il n'hésite pas à ajouter des petites vannes qui sont même potaches et qui vont contre la mythologie Star Wars, et ça c'est très très cool. On se moque d'ailleurs des adeptes de Star Wars et de la mythologie Star Wars, et ça c'est plutôt bien joué. Et dernière chose que j'ai trouvé, je sais pas si t'es d'accord, je trouve qu'il y avait
plus de côté métaphysique et méditation dans ce film. C'est peut-être dû à toutes ces discussions autour de la religion et tout, mais il y a un truc beaucoup plus philosophique qu'il y a dans les anciens Star Wars. Oui, c'est peut-être un petit peu moins un film d'action que certains Star Wars. Ouais. Il y a des trucs un peu plus contemplatifs et surtout il y a un vrai discours autour de la Force Jedi. On vous expliquera plus tard dans une autre vidéo pourquoi. Et puis pour en terminer avec le scénario et les idées mêmes de Rian Johnson, ce qui définit ce film, c'est aussi l'audace et l'originalité. On sait que c'est compliqué quand t'es le réal dans une grosse machine comme Star Wars de prendre quelques libertés et tout, t'es vraiment dans un carcan, t'es carré et bien sûr il n'y a pas des risques fous dans ce film parce qu'il est muselé. Mais il a un peu d'audace, ça passe par l'humour, on l'a dit. C'est d'ailleurs ce qui risque de déchirer les fans. On en parlait avec Marvel la dernière fois et surtout le Thor. À force de mettre trop de vannes, les fans un peu sérieux et hardcore se disent bon attends, faut pas trop dédramatiser le truc, c'est quelque chose de sérieux dont on traite. Il y a quand même beaucoup d'audace dans ce film, notamment dans la rupture avec la philosophie Jedi que l'on connaissait jusqu'à présent. Là vous allez voir, c'est vraiment une petite révolution dans la religion de Jedi. On vous en dit pas plus, vous le verrez par vous-même. Et aussi on découvre de nouveaux univers et ça, ça fait du bien. On va découvrir de nouvelles planètes. Il y en a qui vont aimer, d'autres moins. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Seul bémol selon moi, certaines longueurs. Effectivement c'est le plus long, il faut le dire, c'est le plus long de tous les Star Wars puisqu'il dure 2h32. Moi honnêtement, on va pas se mentir, j'ai pas vu le temps passer. Mais si tu regardes d'un peu plus près, c'était un peu tatillon. Effectivement il y a quelques longueurs et quelques lourdeurs dans certains arcs narratifs selon moi. Moi j'ai pas trouvé ça trop long. En revanche c'est vrai qu'il y a pas mal d'intrigues qui se croisent et s'entrelacent et parfois du coup on perd un peu le fil rouge et on sait pas trop où ils veulent en venir. Mais j'ai pas trouvé ça trop long. Puis il y a certaines histoires qui gonflent. Et en fait tu découvres que ça retombe direct parce que c'était comme si c'était pas très utile. Donc c'est d'un côté c'est forcément marrant parce qu'on voyage à droite à gauche, mais on reste un peu sur notre fin de temps en temps. J.J. Abrams il a fait naître de nouveaux personnages comme Rey ou Kylo Ren etc. Là Rian Johnson il les développe beaucoup plus, il essaie d'aller un peu plus dans la profondeur et ça se voit pour tous les personnages, il gagne en épaisseur. Oui, surtout ce nouvel opus marque le retour de Luke alias Mark Hamill. Vraiment le feu de le revoir dans cette saga. Comme on pouvait s'y attendre, il est vraiment au centre de toutes les intrigues et c'est plutôt cool. D'ailleurs il a repris les forces hein, pendant son petit exil, vous allez voir. Et puis Mark Hamill, ça fait, je sais pas, ça fait longtemps parce que c'est vraiment le rôle d'une vie quoi. C'est pas un acteur qui a eu beaucoup de films pour s'exprimer. Et là, il est de retour, il est toujours juste dans son jeu. C'est vraiment le mec qui donne de la dynamique dans le film, je trouve. Et surtout, il a un côté puissant et tout qu'on adore retrouver. Donc vraiment, félicitations. Ouais, et puis c'est un peu le dernier légataire quand même de la philosophie Jedi telle qu'on la connaissait et que nos parents la connaissaient aussi. Hein. On parlerait même, et j'ai lu ça dans la presse américaine, de Mark Hamill pour les Oscars. On retrouve aussi des persos de Kylo Ren et de Rey qui sont ici beaucoup plus approfondis mais qui restent toujours dans cette ambivalence. On sait jamais vraiment s'ils sont vraiment gentils ou vraiment méchants. Bon, je vous laisse voir, vous verrez. Et puis surtout la grande question, et c'est là où il y a peut-être un bémol, c'est ces deux personnages, ok ils ont gagné en épaisseur et tout, mais ils sont censés incarner vraiment la puissance, la force, être les deux protagonistes, et à chaque fois on se demande, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'ils ont assez de charisme et s'ils ont les épaules pour tenir ces gros rôles de cette saga. Gros big up aussi au retour de Poe et de Carrie Fisher dans le rôle de Leia, son dernier rôle malheureusement, mais c'était un joli rôle. Ouais, Poe qui gagne en épaisseur, alors lui pour le coup il commence à vraiment avoir les épaules, on pourrait même envisager un spin-off sur lui, tellement son histoire et son caractère sont intéressants. Et puis Carrie Fisher, tu l'as dit, bah big up, hein, j'ai rien d'autre à répéter. Puis on termine pour les persos avec moi c'est un point qui est à moi, je n'ai pas d'accord, mais on en parlera plus longuement dans une autre vidéo. On analysera tout ça. J'ai un petit bémol sur le rôle qu'a Finn dans tout ça et le développement du personnage. Et on finit par le visuel, on retrouve une esthétique vraiment digne de toutes les sagas Star Wars. Il y a notamment un jeu sur des couleurs vives. Souvent, on a notamment, lorsque l'on voit le trône de Snoke, une dominante rouge et une dominante noire. Donc une DA vraiment poussée, toujours dans cette idée de clair-obscur. Il y a la même chose d'ailleurs sur la planète, on le voit dans le trailer, là je spoil rien. Cette planète un peu rouge et blanche qui a l'air faite de sel. Et ça, c'est ça le dernier Star Wars, c'est beaucoup de couleurs vives qui flashent. Et puis si tu rajoutes à ça les batailles, c'est aussi pour les batailles que ce Star Wars est magnifique. Je pense que ça restera dans les annales de la saga d'ailleurs. Des mouvements de caméra, des lumières, des situations incroyables. Je pense que visuellement, c'est un des plus aboutis de toute la saga. Bon, aussi, il y a les moyens d'aujourd'hui, bien évidemment, mais il y a des choix qui sont faits et ils sont très bien faits. Comme d'habitude, c'est l'heure de donner sa note, c'est l'heure de donner son verdict. J'ai donné la note de 9 sur 10 parce que j'ai été conquis. Tout simplement, de A à Z, j'ai été pris. J'étais en transe pendant la séance et j'ai adoré. Comme je l'ai déjà dit, ce qui compte dans ce Star Wars et ce qui en fait un très bon Star Wars, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'audace, pas trop. Il y a un peu de révérence, pas trop. À chaque fois, il sait trouver le bon dosage entre ce que doit être Star Wars et les nouveautés qu'il faut y apporter pour que ce soit rafraîchissant. Et je trouve que Rian Johnson a réussi son pari, tout simplement. J'ai mis 8,5 parce que c'est vraiment un film dans la pure tradition Star Wars. On revient vraiment dans l'héritage de George Lucas, tant dans la richesse scénaristique que dans les personnages. On retrouve Chewbacca, on retrouve Luke. Enfin, c'est un peu toute cette tradition Jedi que l'on retrouve et qui semble aussi un peu s'achever. Donc il y a vraiment un côté un peu mélancolique, aussi un peu nostalgique de ce Star Wars qu'on connaissait. Et ça annonce aussi, je pense, une nouvelle ère.
derrière, et c'est plutôt prometteur. Voilà, c'est tout pour notre critique à chaud de ce Star Wars 8. Je pense que vous l'avez compris, on est conquis, on a trouvé très peu de défauts, mais il y en a. Mais il faudra rentrer plus dans le détail, et ça, ce sera la semaine prochaine dans une vidéo où on analysera avec 100% de spoilers cette fois tout ce qui s'est passé et les choix scénaristiques qui ont été faits. Et en conclusion, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ce Star Wars 8 se classe dans les meilleurs Star Wars de toute l'histoire. Ouais. Il n'est pas au niveau de l'Empire Contre-Attaque, qui était quand même le summum, mais il est dans les meilleurs. Et juste, je rajoute un petit truc, ceux qui, dans les commentaires, prévoient de spoiler, essayez d'alerter les autres, parce que si on fait une vidéo 100% sans spoiler et qu'en bas ça spoil, c'est un peu relou. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.